La pollution de l'air est un problème pressant qui affecte notre santé et notre environnement. Elle découle principalement des émissions industrielles, des transports et de l'utilisation des combustibles fossiles. Les particules fines et les gaz nocifs s'accumulent dans l'atmosphère, créant un mélange toxique qui peut avoir des effets désastreux sur notre bien-être. D'une simple sortie quotidienne à la santé des populations, les impacts sont multiples et variés. Les conséquences de la pollution de l'air se signalent par l'augmentation des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Des millions de personnes souffrent d'asthme, de bronchite et d'autres affections chroniques. La pollution n'épargne pas les enfants, qui sont particulièrement vulnérables à ces conditions. En inhalant des particules polluantes, leur développement pulmonaire peut s'en trouver entravé, entraînant des complications futures. De plus, les effets de la pollution ne se limitent pas à la santé physique. Elle peut également affecter notre santé mentale, provoquant stress et anxiété. Pour lutter contre cette menace, il est essentiel d'adopter des mesures efficaces. La transition vers des sources d'énergie renouvelables représente une solution prometteuse. L'énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique offre une alternative verte aux combustibles fossiles. En parallèle, il est crucial d'améliorer les infrastructures de transport en encourageant l'usage des transports en commun et des véhicules électriques. De petites actions quotidiennes, comme privilégier le vélo ou la marche, peuvent également contribuer à réduire notre empreinte carbone. Sensibiliser la population est une étape clé pour combattre la pollution de l'air. Des campagnes d'éducation peuvent informer sur les effets nocifs de la pollution et sur les gestes simples à adopter. Cela pourrait inciter davantage de personnes à participer aux efforts pour la réduction des émissions. Les collectivités peuvent également jouer un rôle en organisant des événements pour promouvoir un mode de vie sain et durable. En résumé, la pollution de l'air représente un défi majeur, mais des solutions existent. Par le biais d'actions individuelles et collectives, il est possible d'améliorer notre qualité d'air. Choisir d'agir, c'est choisir un avenir plus sain pour nous et pour les générations futures. Ensemble, nous devons lutter contre cette menace silencieuse et protéger notre planète et notre santé.